Amis de l'informatique et du cyberespace, bienvenue à bord. Aujourd'hui, nous allons regarder comment mettre le son sur son téléviseur lorsque celui-ci est connecté à votre ordinateur. Alors, je viens de recevoir un mail de Christine qui me dit, voilà, je connecte mon téléviseur à mon ordinateur pour pouvoir regarder mon cours de yoga. D'abord, félicitations. Christine, le yoga, ça va te garder en pleine forme. Et elle rajoute, est-ce que c'est mon câble? Est-ce qu'il faut que je change mon câble? Non, Christine, ton câble est en pleine forme. C'est un problème de paramétrage de Windows. Donc, nous allons regarder ensemble comment paramétrer Windows pour que le son du téléviseur soit sur l'ordinateur. Eh bien, tout d'abord, écrivain Dieu. C'était Clétis paramétrage. Alors vous voyez ici en bas à gauche, là j'ai la fameuse fenêtre Windows, hein, ce qu'on appelle la fenêtre de démarrage. D'ailleurs c'est écrit démarrer quand je suis dessus. Je clique dessus. Voilà, clic normal gauche. Et tout à fait à gauche ici en bas, vous avez le petit rond denté. Hein, ce sont les paramètres. Donc inutile d'aller chez le dentiste, elle a toutes ses dents. Donc je clique sur paramètres, sur la petite roue dentée, voilà. Alors ici j'arrive dans les paramètres et là j'ai toutes les catégories de paramétrage. Donc nous allons regarder celle-ci, la catégorie système, parce qu'on voit affichage, son, etc., etc. Donc je vais cliquer ici, système, voilà. Et si je regarde sur la gauche de l'écran, je vois son avec un petit haut-parleur. Ça commence à sentir bon ça. Donc, je clique dessus. Voilà. Très bien. Et maintenant, qu'est-ce que je vois ici? Au milieu, choisir votre périphérique de sortie, c'est-à-dire le périphérique sur lequel le son va être envoyé. Alors, pour savoir ce qu'il y a au menu, eh bien, vous voyez ici, là, il y a le petit signe pointé vers le bas, je clique dessus. Et là, vous voyez, j'ai trois choses. J'ai le headphone, c'est-à-dire j'ai mon casque que je suis en train d'utiliser. J'ai les speakers, c'est-à-dire les haut-parleurs de l'ordinateur. Et ici, au miracle, aux stupéfactions, j'ai mon téléviseur. Alors, pour que ça marche, il faut que votre téléviseur soit connecté à votre ordinateur par le câble HDMI. Si c'est connecté, l'ordinateur, normalement, devrait le reconnaître, sauf si c'est un téléviseur exotique. Et vous allez le retrouver dans la liste. Eh bien, c'est tout simple, vous cliquez ici. Voilà. Et à partir de maintenant, tous les sons émis sur l'ordinateur, c'est-à-dire ceux que vous allez visualiser, par exemple, en regardant une vidéo sur YouTube, eh bien, à chaque fois, le son sera transmis, tous les sons seront transmis vers le téléviseur. Alors, vous regardez votre vidéo, vous êtes très content. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand vous aurez terminé, il faudra remettre le son, il faudra faire la manip inverse, c'est-à-dire revenir dans les paramètres, revenir ici, et là, on clique ici, et là, on va remettre sur speaker. Donc là, vous allez, le son sera dirigé vers les haut-parleurs de votre ordinateur. Voilà, c'était aussi simple que ça. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne continuation. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.